Bonjour, alors je vais vous proposer la correction de la dictée graphique pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Alors c'est parti. Madame Coffina a une tête en forme de carré. Alors une tête. Ses yeux sont deux petits carrés. Encerclé par deux ronds. Alors encerclé, ça veut dire qu'on fait tout le tour du carré avec un cercle. Pour représenter son nez, il faut placer un rectangle verticalement. Alors verticalement, c'est debout. Sous le nez, un cercle représente sa bouche. Deux petits triangles représentent ses oreilles. La pointe vers le visage. Donc la pointe vers le visage, ça veut dire le côté piquant contre le visage. Il doit piquer le visage. Voilà, ici. Sept traits verticaux représentent ses cheveux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour son corps, il faut dessiner un grand triangle. La pointe du haut touche sa tête, donc côté piquant vers la tête. Voilà. Ses bras sont deux petits ronds. Ses pieds sont également deux ronds. Voilà. Donc comme lorsque nous sommes en classe, classe 3 comme classe 4, vous repassez sur vos traits au feutre noir si c'est possible. Ça permet de faire ressortir le dessin pour que ce soit encore plus joli lorsqu'on colorie par-dessus. Voilà. Ses yeux sont de deux couleurs. Les carrés sont verts, une couleur verte. Et les cercles sont de couleur jaune, les ronds. Son nez est orange. Alors c'est toujours mieux de choisir des crayons de couleur si possible hein, par rapport au feutre. Après si vous n'avez que des feutres, bah, c'est très bien aussi. Sa bouche est violette. Mais il faut être davantage précis au crayon de couleur, c'est pour ça qu'on préfère en grande section. Ses oreilles sont rouges. Son corps est orange. Voilà. Ses bras et ses pieds sont roses. Voilà. Et maintenant,
Il faut qu'on essaye d'écrire le mot Kofina. Kofina, on essaye d'entendre le bruit des lettres. Tu écris comme tu le peux. Kofina. Ah, c'est le son K. Je l'écris avec la lettre C. Si tu l'as écrit avec la lettre K, cela fonctionne également. Le K produit le son K. Ensuite, Ko, ko, j'entends O. C'est la lettre O que je dois écrire. Kof, kof, j'entends F. C'est la lettre F qui produit le son F. J'écris F. Kofi, j'entends le son I. J'écris la lettre I. Kofin, kofin, j'entends N. J'écris la lettre N. Kofina, na, j'entends A, j'écris la lettre A. Et je repasse avec un feutre sur mon écriture. Voilà, j'ai écrit le mot Kofina. Le C peut également être écrit par un K. C'est aussi les bons sons. J'espère que tu as réussi le dessin. Envoie-nous ton dessin. Nous serons très contents de le voir, très contentes les maîtresses de le voir. Voilà, n'hésite pas. À très vite.